Alors bonjour à tous et à toutes, ici le gamer loser LuigiTel60 pour la suite de ses aventures sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode précédent, on a découvert la véritable identité du ministre antique et le suicide collectif automatique, voilà, oui, bah auto, des robes par le très méchant Ganondorf parce qu'il est très vilain. C'est une très vilaine. Et là, on va découvrir cet univers très spécial. Regardez le canon que je vous sors. Il ressemble beaucoup à ma pipe. Symbole phallique en approche. Éjection du jet. Création d'une testicouille. Même le mec, sur son vaisseau, il a érigé une ville, quoi. Hein? Ils sont vivants. À l'assaut. On dirait que c'est le docteur Robotnik qui a construit l'équipement. Parce que ça, c'est des tourelles que j'ai vues dans Sonic Heroes. Non, mon vaisseau est trop gros, il ne peut pas tout parer. Explosion du Hellbird. Mais c'est pas grave, regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Quatre petits vaisseaux. C'est pas possible. Ah, l'assaut. Déployez tout. Esquive. Kirby avec le dragon. Critique smash. Vengeance pour Meta Knight. C'est ce qu'il a dû crier. Suis-moi. Vous le payerez. Vous allez le payer parce que vous le payerez. Suivez-nous. Et là, t'as le vaisseau d'Olimar. En mode de vie. En vieille charrette dégueulasse. Pourtant, c'est le dolphin qui est plus lent, normalement. On est tous là. Pour vous péter la gueule. Qui va-t-on prendre un personnage qu'on n'a pas vu. Le Game & Watch. Après... Ah, purée, il y en a plein que j'aime bien. Le bleu. À prendre Ike, Lucas et Olimar. Non, le dresseur de Pokémon, vu que il n'apparaît plus après. Et les Ice Climbers. Non, je vais mettre Ike en dernier. Je vais mettre les Ice Climbers, le dresseur et Ike. On met le nouveau et ceux qui ont disparu après dans des radars. Non mais... Ah non, pas un scrolling. Non, Serette, fais gaffe. Suis-moi, Serette. Non, dégage-toi. Là, je vais tuer d'abord celui de métal, là. Parce que c'est eux qui font le plus mal. Alors, vous deux, vous allez mourir. Là, on va tuer celui du feu.
ici. Hop. Et là. Suicide! Tornade des marteaux. Putain, mais quand même, la sœurette, c'est la survivante, quoi. Ah non, là, il y a les gros, je te parie. Si je me rappelle bien, il y avait des gros à un moment. Faire attention. Voilà, merci. Et merde. Merci. Oula, il a failli attaquer en plus. Vite, sœurette, viens. Suis-moi. Adieu. Les deux en même temps, plus. Non mais... Dégagez. Merci, ça servait à rien, Dracofeu. Heureusement que c'est la puissance. Ah là, il a bugué en plus, lui. Heureusement que c'est la puissance avec quoi. Plus Roda. Here comes the Dovahkiin. Non. Non. Je dois tout recommencer. Non. Pourquoi Dracofeu t'a servi à rien? Non. Je vais devenir fou. Oui. Super, merci. Oh purée, ça me fait chier. Je te parie, je vais me reprendre la bombe. Ah bah non. Elle me poursuit l'autre là. Lâche-moi! Lâchez-moi! Ils m'ont tous poursuivi, les salauds! Là, celui-là maintenant, le duo. Voilà, merci. Maintenant. Dégage, toi. Ah, la crève. Maintenant, il suffit de pas crever sur la dernière vague d'ennemis, comme tout à l'heure. Ce serait génial, quand même. J'ai raté mon premier coup. Meurs, dragon. Meurs. Oh la vache. Heureusement qu'elle a réagi quand même, parce que si elle aurait pas réagi... Thank you.
merde. Ils sont chiants, les gros primides. Reviens. Go, Herbif. Non. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. C'est stylé, Herbivar. Ce n'est pas très efficace sur les plantes. T'as pas appris ça à l'école du Pokémon? Ah bah si, en fait. J'ai rien dit. Et par contre, mon épée dans ta gueule. Oh, si j'arrive à la lancer, voilà, merci. S'il vous plaît, peut-être qu'il n'y en a plus. Je me rappelle plus. Oh, il n'y a plus de chemin! Attends, c'est normal que je marche dans du vide. Sayonara, petite chienne. Tu as été un pion bien utile. Et tu ne mérites pas de rencontrer le grand maître. Me voici. Qui es-tu? Je suis chauve. Tiens, prends ça. Tu m'as assez fait souffrir. À toi de souffrir. Pas comme Punch. Enfin, Rocket Punch plutôt. Je me meurs. Il a tué Créamin. Hein? Ma voici ma version papillon de lumière. Sous les projecteurs. Le mec cheaté quoi. Mais c'est la fin. C'est la fin du jeu. Voilà, ils sont tous morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je déconne, c'est pas fini. Hein. Tous ces univers m'appartiennent maintenant. Je vais créer l'ovule parfait. Et vous me trouverez à l'intérieur tel un embryon. Un Pikmin violet. On va revenir à la carte. Et on va continuer. Oulala. Mais qui c'est qui va se réveiller du coup? C'est nos trois potes. Les trois poteaux. Hein? Quoi? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est... Il nous a sauvés. Mmh. Salut. Hein? En avant. Je le savais pour la malédiction. On va prendre le Luigi parce que voilà, Luigi Tail. Hein. Oh putain. Mais quand même, Dadidou, c'est quand même l'un des ennemis les plus intelligents des jeux vidéo, quoi. Parce que par exemple, dans Kirby Nightmare in Dreamland, il savait pour la malédiction. La malédiction du bâton étoile, en fait. Que ce que disait le gentil, c'était faux. En fait, le gentil, je crois, il voulait délivrer Nightmare, si je me rappelle bien. Yeah. Non, mais délivre-toi, merci. Enfin, je sais plus trop, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah merde, je suis mort.
Merde, il y aura un trou. Ah lol. Ah bah le con quoi. Ah parce que lui en plus il réapparaît. Tiens, dégage, on va remourir. Là le but c'est de retrouver tous les personnages hein, dans ce monde là. Oh non, on a trouvé Beat. J'adore ce coup là dans les... Déjà dans les Kirby il le fait. Mais j'adore de le faire dans le jeu, dans les Smash Bros. C'est juste délire à le faire. Je suis bien content qu'il l'ait mis dans ce Smash Bros et qu'il le garde. Parce que Daddy Doo, moi je trouve il pète la classe. De toute façon, pour moi tous les personnages de Kirby pètent la classe. Hein. Après c'est que mon avis. On va te sauver Lucas. Par contre, j'ai un peu du mal à rompre le saut là pour se rétablir avec Daddy Doo, comme il le fait dans les jeux, quoi, comme ça. Ouais, merci, meurs. Tout simplement. Tout doucement. Tu vas mourir, petit être inférieur. Non, j'ai dit, tu vas mourir, petite première. Tiens, dégage. Aïe, oui. Oui. Tiens, prends mes mignons dans ta face. Doucement. Le Luigi t'es va casser des gueules. Enfin si il meurt pas parce que sinon ça va pas le faire. Là il faut le prendre. Et là il faut se dépêcher de prendre le Pikachu. Et bah j'en étais sûr j'allais mourir. Hein, parce que j'ai pas couru avec cette manette de merde là. Qui bug. Ça m'énerve. Ça m'énerve de pas pouvoir jouer à la manette GameCube. On va voir si de l'autre côté il n'y avait pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait des ennemis? Tiens, prends-toi le feu du démon. Tu connais ça, le coup de patte, home run. Voilà, esquive. Non, je vais pas faire une esquive comme ça. Mais purée, mais c'est pas possible. Ah oh, putain. Ça y est, les insultes arrivent. C'est que je perds de mon sang-froid. Et hop, là tu sautes, voilà, merci. Ouais, voilà, tu fais ça. Et tu meurs, merci. Merci d'être venu. Esquive du poisson. Poisson moche. Ah, mais si je meurs, si je perds toutes mes vies là. Apparition de Ike, voilà, esquive. Dans ta face. Non mais c'est pas ça que je voulais faire, voilà, merci. Non, non mais rentre dans la porte, merci Luigi. Oulala. Heureusement que j'ai ça. Voilà, merci. J'ai même pas vu j'ai qui récupéré qui en premier, je crois que c'était Olimar. Olimar et Fox.
Apparition d'une deuxième comme ça dans le vide, vide cosmique. Qui a fait une téléportation. Merci. Merci pour le voyage. C'était sympa. C'est tellement délicieux de se faire pincer le cul là. Délicieux. Délicieux, attends. Je vous déteste. Si vous pouvez mourir en enfer. Tiens, coupe de tête dans ta tête. Non, j'ai pas envie. Ah oui. Et merde, j'ai raté. J'ai raté. Là, j'attends que ça revienne. Hein. Alors, au revoir. Au revoir, monsieur. Il y en avait une en bas. Eh ben non, il n'y en avait pas. J'aurais pu prendre la porte. Voilà, merci. Oh putain, mais ça m'énerve des fois. Mon frère! Je ne vais pas te sauver, je te regarde. En plus, t'es petit. Non, je vois là, je ressaute. Vite, dépêchons-nous. C'est fini? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un trophée, sans bleu. Hein? Mais je connais ces beaux-arts. Tu veux te battre? Non! Moi aussi je t'aime, tiens. Tiens, mes amis aussi veulent te connaître. Ah, tu connais ça aussi? Tiens. Tiens, vois. Viens, on va faire des bisous. Tiens, découvre mon ami. Putain, mais il arrive à me choper. Il a réussi à me choper. J'étais à 2000 km de lui. Oh, le combat hippique entre deux handicapés. Le pouvoir du bumper. Je suis toujours vivant. Hey. Oui. De la triche. Viens là. Vas-y, moque-toi. Je suis réapparu. Tiens, moi aussi je connais ce coup-là. Voilà, tu vois, moi aussi je peux me moquer de toi quand tu meurs. Son boulot. Mais t'es bête ou quoi? Je suis vénère! Tiens. Aïe, ça fait mal!
Regarde. Oh, il a été tué. Volé par là, je pense. Luigi, Ness et Bowser. Et Daddy Doo. Enfin, Bowser est dans l'équipe. Ça fait plaisir. Donc, c'était tout pour les aventures du Gamer Loser sur Super Smash Bros. Brawl. Dans l'épisode suivant, on continue à récolter des trophées dans l'univers subspatial. Mais cette fois-ci, pas avec les trois compères. Avec une... avec un ami du grand Benet. Ouais, Benet, non, ça se dit. Oh, je sais plus. Du grand Daddy Doo. Donc sur ce, moi, je vous dis bonne continuation sur YouTube. Ne faites pas dans la vie comme dans les jeux. A plus.